présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Dieu, nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Nous te célébrons, Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel. Tu es venu habiter en nous, nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence. Nous honorons ta présence, Esprit de Dieu, nous aimons ta présence. Nous adorons ta majesté, nous célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices de la Radio Sion. Bonjour à vous tous qui ce matin êtes connectés depuis YouTube, depuis Facebook, depuis Télé Nangaï. Nous voulons prendre le temps d'adorer notre Dieu, de reconnaître qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme lui, de reconnaître qu'il n'y a point de Seigneur en dehors de lui. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est digne de louange, il est digne d'honneur. Il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à notre roi. La Bible dit dans le psaume 72, les versets 18 à 19. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Nous voulons ce matin bénir notre Dieu, dire qu'il est le Dieu qui est plus grand. Plus grand que l'univers, plus grand que la terre, plus grand que l'espace. Il est le Dieu infiniment grand, le Dieu à qui rien ne peut être comparé, le Dieu à qui rien ne peut être égalé. Il est l'unique, il est le véritable, il est le seul qui mérite l'honneur, il est le seul qui mérite notre gratitude ce matin. Nous voulons ce matin te dire, notre Père, que tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que la pandémie, tu es plus grand que la crise, tu es plus grand que la récession, tu es le Dieu infiniment grand. Et devant toi, tout genou fléchit, devant toi, tout genou fléchit, parce que tu es le Dieu infiniment grand. Rien ne peut te résister, rien ne peut t'égaler, rien ne peut s'opposer à ta force, tu es le Dieu grand. Plus grand que ce que l'on peut penser ou imaginer. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tu es plus grand que toute la puissance nucléaire des hommes. Tu es le Dieu grand. Par le souffle de ta bouche, tu anéantis tous les projets du diable. Rien que par un clignement de ton œil, tu es capable de faire taire, de faire cesser toute la vie sur la terre. Tu es le Dieu infiniment grand, le Dieu qui nous a sauvés par sa toute puissance, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui a pris soin de nous et qui continue à le faire. Ce matin, nous te valorisons, nous t'apprécions, nous t'honorons. Kéremalo Brosia, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit ce matin. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Abba Père. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Abba Père. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit dans ma vie. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit pour mon pays. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Abba, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Excellent, tu es. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es. Excellent, tu es. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon Père, mon tu roi, es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Créateur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi qui m'as aimé, oui, tu es plus grand, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es dans ma vie. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus-Christ. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus-Christ. Agneau de Dieu. Oui, tu es plus grand, plus grand, plus tu grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi qui t'es livré. Oh, oui, tu es plus grand. Tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Oh, excellent, tu es. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es. Excellent, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Paraclet. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Esprit de Dieu, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Consolateur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es. Tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es. Abba Père. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Je déclare. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je confesse, tu es. J'atteste, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans ma vie, tu es. Dans ma famille, tu es. Dans ma nation, mon territoire, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es. Tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui. Tu es sans pareil, tu es plus grand que ce que l'on dit. Le Dieu de miracles, insondable, tu es. Le Dieu sans pareil, sans égal, oui, tu es. Ce matin, moi je dis, je déclare, tu es. J'invite ta personne, je t'honore, car tu es plus grand que la maladie, que la pauvreté ou le chômage. Le Dieu infiniment grand, oui tu es plus grand que ce que l'on dit, oui tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que le virus. Excellent, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Malgré les ténèbres, tu es. Excellent, tu demeures. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Malgré la crise économique, excellent, sanitaire, toi tu es. Plus grand que ce que l'on dit. En Afrique, tu es. Excellent, en Europe, en Amérique. Tu es plus grand que ce
malgré les dieux, tu es, oui, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. En Asie, tu es, en Océanie, tu es. Dans ma vie, tu es, dans ma famille, oui, tu es. Dans mon travail, tu es, dans mes études, ma santé. Mon roi, tu es, à qui te comparer, à qui t'égaler, tu es, comment ne pas te louer, tu es plus grand que ce que l'on dit, comment ne pas t'apprécier, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es, oui, plus grand. Excellent. Oui, plus grand. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que je pense. Excellent. Imagine. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que je ne peux comprendre. Excellent. Ou saisir. Merveilleux. Toi, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, oui, tu es. Tu es que ce que l'on dit. Dans ton amour, tu es grand. Excellent. Dans ta bonté, tu es plus grand que ce que l'on dit. Le Dieu profond en amour. Excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi, dont l'amour est long. Excellent. Est là, profond. Tu es excellent, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi qui m'as aimé, excellent, justifié, pardonné. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi qui t'es livré, excellent, pour mon rachat. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, oui, tu es. Excellent. Tu es. Toi qui m'as aimé, excellent, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi qui t'es donné, excellent, à la croix, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi qui as donné ta vie, excellent, qui a été cloué, oui, tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi dont le sang a coulé, excellent, pour mon pardon. Toi mon consolateur, excellent, ami fidèle, oui tu es, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui tu es, excellent, dans ma vie, tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi qui m'enseignes, m'instruis, tu es plus grand que ce que l'on dit. Esprit, oui tu es, excellent, tu es. Plus grand que ce que l'on dit. Toi mon avantage, excellent, mon aide, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on le dit. Le gage de mon héritage, oh, Esprit de Dieu, tu es plus grand que ce que l'on dit. J'ai été marqué de ton sceau, excellent, Esprit de Dieu, tu es plus grand que ce que l'on dit. Toi qui nous fortifies, oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, oui, tu es excellent, magnifique, admirable. Que l'on dit, infiniment grand, excellent, tu es, tu
est plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, qui est plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, qui est plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Dans ma vie, dans cette saison, plus grand que ce que l'on dit. Même si les ténèbres couvrent la terre, tu es plus grand que ce que l'on dit. Même si l'obscurité règne, toi tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah bah oui, tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est ma louange ce matin. Tu es, c'est ma déclaration de foi. Tu es, tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est une déclaration, une confession. Je dis, malgré ce qui se passe, malgré la réalité, moi je dis, mon Dieu se lèvera en ma faveur, car il est mon rédempteur vie. Il se lèvera le dernier. Oui, tu te lèveras, ta gloire apparaîtra dans ma vie. Je dis, tu es, tu es merveilleux. Ah bah oui, tu es, oui tu es merveilleux. Ta volonté s'accomplira dans ma vie parfaitement. Tes desseins subsisteront d'âge en âge pour moi. Seigneur, oui tu es dans ma vie, mes projets, dans mon entreprise, mon travail, dans mon stage. Seigneur, oui tu es dans mes finances, tu es dans mes relations, mon foyer. Seigneur, tu es, oui tu es, tu es plus grand que ce que l'on dit. J'ai confiance en toi, m'appuie sur toi, car tu es. Oh, tu es, tu es, tu es, oh oui, tu es, tu es. Est-ce que tu peux élever ta voix par l'esprit ou l'intelligence? Tu es plus grand que ce que l'on dit, Seigneur. Tu es le Dieu plus grand que ce que l'on pense ou imagine. Tu es plus grand que ce que la médecine déclare. Tu es plus grand que le diagnostic médical. Tu es plus grand que les verdicts des tribunaux. Tu es plus grand que ma réalité. Tu es plus grand que ce que mon compte en banque peut me dire. Tu es le Dieu infiniment grand. Le Dieu dont les ressources ne s'épuisent pas. Le Dieu dont la puissance n'est pas limitée. Tu es plus grand. Et c'est ce que je déclare ce matin à mon âme. C'est ce que je déclare à l'univers, c'est ce que je déclare à la création, que mon Dieu est plus grand, mon Dieu est infiniment grand. À lui rien n'est impossible, à lui rien n'est trop difficile. Tu es plus grand mon roi, tu es plus grand mon Dieu. Qui est ma prosia, qui est ma voix,
mandele bosia semblable des œufs eria mandele bosse pour comparer à qui vous ere ma bosia re baba bosia si est plus grand chara bosse le ma de carabosia qui est plus grand mandele bosse qui est plus grand seigneur Mane Brasia Rebo Shaya Mandere Bose. Oui, nous le déclarons ce matin. Nous le confessons. Tu es grand. Tu es grand Seigneur. Et parce que tu es grand, tu es digne de louange. Parce que tu es grand, tu es digne d'honneur. Parce que tu es grand, tu es digne de nos actions de grâce. C'est pourquoi ce matin, nous voulons élever la voix et prendre le temps de reconnaître la grandeur de notre Dieu. Nous voulons reconnaître que notre Dieu est grand par le fait qu'il nous a donné la vie ce matin. Le fait, mon frère, ma sœur, que tu sois compté parmi les vivants, que tu aies la respiration, cela prouve que Dieu est grand. Parce que si cela ne tenait qu'au diable, si cela ne tenait qu'aux démons, ta vie aurait été arrêtée, le souffle de vie t'aurait été ôté. Mais la grandeur de Dieu t'a protégé. Dieu, dans sa grandeur, a veillé sur toi tout au long de cette nuit. Il t'a gardé et il permet que ce matin encore tu aies la vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et reconnaître la grandeur de Dieu dans le fait que ce matin encore, la vie t'a été conservée? Les cabrosia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour la vie. Nous voulons reconnaître, Père, que c'est dans ta grandeur que tu nous as donné la vie. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que si nous sommes en vie, c'est parce que tu es grand. Si ce n'était que le diable, nous n'aurions plus la vie. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Et tout ce qu'il veut, c'est voler, c'est dérober, c'est détruire, c'est tuer. Mais toi, dans ta grandeur, tu nous protèges. Dans ta grandeur, tu éteins tous ces traits enflammés. Dans ta grandeur, tu fais échouer tous ces projets. Père, nous sommes reconnaissants ce matin parce que nous avons la vie par ta grâce. Nous avons la vie par ta grâce. Tu es celui qui nous garde, celui qui nous protège. Et tu l'as fait encore cette nuit. Alors que nous étions couchés comme plongés dans un profond sommeil, toi tu nous as gardés, toi tu nous as protégés, toi tu as veillé sur nous. Nous te sommes ce matin infiniment reconnaissants, infiniment reconnaissants notre Père. Reçois notre reconnaissance Père pour la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons poursuivre dans nos actions de grâce au Père. Nous voulons lui dire merci pour son amour. Parce que dans son amour, Dieu nous a donné son Fils. Dans son amour, il a donné Jésus pour l'humanité. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous allons élever la voix et rendre grâce au Père. Parce qu'au travers du sacrifice de Jésus, il a fait de nous des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et exprimer ta reconnaissance au Père de ce qu'il a fait de toi un enfant de Dieu? Il n'a pas simplement envoyé Jésus mourir à la croix pour que tu sois pardonné, mais il l'a fait plus. Il a fait de toi son enfant. Exprime ta reconnaissance au Père. Dis merci au Seigneur ce matin parce que tu es membre de la famille de Dieu. Merci parce que tu n'es plus simplement serviteur de Dieu comme Moïse. Tu n'es plus simplement serviteur de Dieu comme David. Mais de toi, la Bible dit, tu es devenu enfant de Dieu. Marébrosia, à cause du sacrifice de Jésus à la croix.
Père, merci. Nous sommes reconnaissants parce que tu as envoyé ton Fils premier-né afin que nous devenions nous aussi les enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui ont accepté de croire en l'œuvre de la croix, tu nous as fait le privilège, tu nous as fait la grâce de devenir enfants de Dieu. Et ce matin, en ce début de semaine, nous voulons nous arrêter pour prendre le temps de réaliser la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu, la grâce que nous avons d'avoir Dieu pour Père, la grâce que nous avons d'avoir Dieu pour Père. Nous ne sommes plus simplement des créatures, nous ne sommes plus des serviteurs, mais bien plus, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Tu nous as donné ton nom, tu nous as mis dans ta famille par le sacrifice de Jésus. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Merebrosé, Lekaramabrosia, Shalamabraderebrosé. Merci de ce que je suis enfant de Dieu ce matin. Je suis enfant du Seigneur, enfant du roi des rois, enfant du chef d'État le plus puissant de l'univers. Nous sommes reconnaissants ce matin, Père. C'est pourquoi nous abondons en action de grâce. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons encore rendre grâce à notre Père. Nous voulons lui dire merci pour le Saint-Esprit qu'il a envoyé afin de nous conduire, selon qu'il est écrit dans Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous voulons dire merci au Père de ce qu'il ne nous a pas laissés seuls sur la terre. Il ne nous a pas laissés nous débrouiller sur la terre, mais il a envoyé le Saint-Esprit vivre en nous afin que le Saint-Esprit nous conduise, afin que le Saint-Esprit nous aide à prendre les bonnes décisions, afin que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon la volonté de Dieu. Nous voulons ce matin exprimer notre reconnaissance au Père de ce que le Saint-Esprit vit en nous afin de nous conduire. Est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance au Père? Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit de ce qu'il est celui qui te conduit? Il te conduit dans toutes tes décisions. Il te conduit dans tous les domaines de ta vie. Il ne te conduit pas simplement pour les choses qui semblent spirituelles, mais il est le Dieu qui conduit dans tous les domaines. Il est le Dieu qui nous conduit même Mare Bosia. Lorsque nous avons des décisions à prendre, Mare Bosia, tu es le Dieu qui nous conduit. Tu es le Dieu qui nous dirige. Merci Père pour l'Esprit que tu nous as donné afin que nous sachions nous diriger sur la terre. Mare Bosia, les ténèbres recouvrent la terre, mais tu nous as donné l'Esprit comme une lampe pour nous conduire. Tu nous as donné le Saint-Esprit afin de nous montrer la voie. Tu nous as donné le Saint-Esprit afin de nous diriger. Tu nous as donné l'Esprit afin que nous ne fassions pas d'erreur. Nous sommes reconnaissants pour ton ministère, Esprit. Reconnaissants de ce que tu es le Dieu qui me conduit chaque jour, à chaque pas. Tu nous conduis dans nos vies professionnelles. Tu nous conduis dans nos vies sentimentales. Tu es le Dieu qui nous conduit dans chaque domaine. Tu ne te lasses pas. Il n'y a aucun domaine qui semble trop insignifiant pour toi. Mais tu es d'accord. Tu es disposé à nous conduire parce que nous sommes précieux pour toi. Père, merci pour le Saint-Esprit. Esprit, merci pour ta conduite. Merci pour ta direction. Merci pour ton aide dans nos vies. Nous valorisons ta présence ce matin, Esprit de Dieu. Nous valorisons ton ministère. Nous valorisons tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes reconnaissants pour ta direction, reconnaissants pour ta conduite. Les bros à la babosia. Nous sommes reconnaissants, Père, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi rendu grâce, Père, et nous disons ce matin, amen. Amen. Nous voulons ce matin continuer à étudier les bénéfices, les avantages que Dieu nous donne au travers des relations. Depuis plusieurs mois, le Seigneur nous enseigne que les personnes qu'il a placées autour de nous sont importantes, elles sont précieuses, parce que Dieu les utilise pour nous faire du bien. Dieu les utilise pour nous communiquer plusieurs grâces.
Et Dieu nous a appris qu'il passe par les relations, c'est-à-dire les hommes et les femmes qu'il a placés autour de nous, les frères, les sœurs, les jeunes, les plus âgés. Il utilise tout le monde afin de nous faire du bien. Et l'une des grâces, l'un des bénéfices que nous avons au travers des relations, c'est que Dieu est capable d'utiliser ces personnes afin de nous communiquer la foi en la parole prophétique. Et nous avons lu le passage que Dieu nous a donné dans le livre d'Ésaïe 60, les versets 1 à 2, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Et Dieu nous a dit que ce passage d'Ésaïe avait été annoncé au peuple d'Israël il y a des milliers d'années, lorsque le monde passait à cet instant un temps de crise, un temps de ténèbres, un temps de chaos, un temps de confusion. Tous les pays étaient dans les ténèbres. Et Dieu avait envoyé par le prophète Ésaïe une parole prophétique au peuple d'Israël. Il avait envoyé une parole prophétique afin d'apporter une lumière au sein des ténèbres. Il avait envoyé une parole prophétique afin de démarquer son peuple du reste du monde. Il avait envoyé une parole prophétique car Dieu savait que pour faire sortir son peuple des ténèbres, il fallait d'abord qu'il puisse avoir une parole prophétique. Et le peuple d'Israël a reçu cette parole prophétique, elle a cru en cette parole prophétique et Dieu a pu manifester sa gloire dans ce peuple. Et de la même manière, Dieu nous a dit que cette parole prophétique d'Ésaïe 60 n'était pas simplement adressée au peuple d'Israël, mais qu'elle s'appliquait également aux justes en cette saison. Nous savons que depuis plusieurs mois, la terre est en train de passer par une situation de crise. Le monde passe par une crise économique, sociale, sanitaire sans précédent. Les hommes et les femmes sont dans la confusion. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Ils ne savent plus vers qui avoir un espoir. Et Dieu nous a donc envoyé cette parole prophétique à nous les justes. Dieu nous dit que malgré ce temps de crise, malgré ce temps de pandémie, sur les justes, sa gloire apparaîtra. Dieu nous a dit que lorsque les ténèbres règnent sur la terre comme en cette saison, c'est le temps pour que son peuple puisse briller, c'est le temps pour que les justes puissent se démarquer. Et il nous a donc enseigné que lorsqu'il envoie une parole prophétique, il attend notre réponse. Lorsqu'il envoie une parole prophétique, il attend que nous puissions la recevoir avec foi. Il attend que nous puissions méditer cette parole. Mais il attend également que nous puissions prier sur la base de cette parole prophétique. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis quelques jours. Nous avons commencé à prier afin que la gloire de Dieu puisse se lever dans la vie des justes. Et Dieu nous a appris que le premier domaine dans lequel Dieu veut manifester sa gloire, c'est par le salut et l'affermissement des âmes. Et ce matin, nous voulons encore élever la voix et continuer à prier pour le salut et l'affermissement des âmes. Mon frère, ma sœur, c'est la priorité de Dieu en ce temps de ténèbres. C'est le sujet le plus important pour Dieu. C'est d'abord que les âmes soient sauvées, c'est que les âmes soient affermies. Parce que pour Dieu, il est plus important qu'une âme soit sauvée, qu'une âme ait un travail. Il est d'abord plus important pour Dieu de garantir l'éternité des hommes avant de garantir simplement leur vie sur la terre. Alors nous allons continuer à prier, nous allons continuer à intercéder, nous les justes, afin que les âmes soient sauvées et soient affermies. Et nous allons donc prendre notre premier sujet de prière qui sera tiré du livre de Colossiens 4, le verset 12. Colossiens 4, le verset 12, la Bible dit « Epaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. » Nous voyons au travers de ce passage
qu'Épaphras était un homme, était un juste, qui intercédait pour le bien-être des autres frères. Il intercédait afin que les justes puissent se tenir fermes. Et nous allons donc élever la voix ce matin et nous allons prier le Père dans le nom de Jésus afin qu'il nous rende conscients qu'il veut nous utiliser comme Épaphras afin de prier pour le salut et l'affermissement des âmes. Dieu veut susciter en cette saison de crise. Dieu veut susciter en cette saison de ténèbres. Il veut susciter plusieurs Épaphras qui vont se lever dans la prière pour les âmes. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix afin que le Père nous rende conscient qu'il cherche des Épaphras, il cherche des justes qui se lèvent afin de prier pour le salut et l'affermissement des âmes. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix, mon frère, ma sœur, et prie le Père au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous te prions ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu nous, nous te prions ce matin, notre Père et notre Dieu, afin que tu nous rendes conscients que tu cherches des Épaphras, tu cherches des justes qui intercèdent pour le salut et l'affermissement des âmes. En ce temps de crise, en ce temps de ténèbres, ton regard parcourt la terre, cherchant un homme, cherchant une femme qui se tienne à la brèche, cherchant un homme, cherchant une femme qui a cœur tes intérêts, qui a à cœur la priorité de Dieu. Et tu as dit dans ta parole que la gloire de Dieu, c'est lorsque le peuple se multiplie. Tu nous as appris que l'une des premières manifestations de ta gloire, c'est lorsque ton peuple se multiplie, c'est lorsque ton peuple est affermi. Alors nous te prions, Père, rends-nous conscients dans le nom de Jésus que tu cherches des justes qui se lèvent dans la prière. Tu cherches des justes qui brille pour les âmes. Nous te prions ce matin, rends-nous conscients que tu nous as suscités en cette saison pour répondre à cet appel, que tu nous as suscités en cette saison pour prier pour le bien des âmes. Nous te prions, notre Père, rends les justes conscients. Rends-nous conscients, Père, que ta volonté est de te servir de nous. Ta volonté est de nous utiliser pour prier pour les âmes. Ta volonté est que nous puissions être utiles pour prier pour le salut des âmes. Rends-nous conscients, Père, que ta volonté est de nous utiliser pour l'affermissement des âmes. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu, rends-nous conscients ce matin que tu cherches des Épaphras, tu cherches des hommes de prière, tu cherches des femmes de prière, tu cherches des intercesseuses comme Anne qui se lèvent pour prier pour le salut des âmes, qui se lèvent pour prier pour l'affermissement de leurs frères et sœurs. Nous te prions ce matin, l'Ecosia, rends-nous conscients de cela et aide-nous ce matin, il est braso, à être conscient, il est la chama, il est brasé, kerebosé, et la macharebosea, il est bossé. Nous te prions, Père, nous te prions, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, et l'Amazorebrochiabaremosia, nous te prions, notre Père, rends-nous conscients ce matin, au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous allons continuer à prier sur ce même sujet. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à répondre présent à cet appel. Esther 4, verset 14 nous dit « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Nous allons prier afin que les justes réalisent que Dieu les a sauvés pour un temps comme celui-ci. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à réaliser qu'il nous a mis à part. Il nous a gardés sur la terre des vivants. Il nous a sauvés pour ce temps particulier afin que nous puissions nous lever,
afin que nous ne puissions pas nous taire, mais que nous puissions, dans la prière, intercéder pour le salut et l'affermissement des âmes. Si tu as compris ce point de prière, mon frère, ma sœur, élève ta voix afin que le Seigneur te rende capable de répondre à cet appel, d'être compté parmi les intercesseurs, d'être compté parmi ceux qui prient pour le salut et l'affermissement des âmes. Que Dieu nous donne de réaliser qu'il nous a suscité pour ce temps. Il nous a mis à part pour ce temps. Inabrosia, lekeremabrosia. Réalise, mon frère, ma sœur, que tu aurais pu quitter la terre des vivants en 2019, mais Dieu t'a mis à part. Il t'a gardé pour cette année parce qu'il voulait t'utiliser pour intercéder pour les âmes. Il voulait te mettre à part pour prier pour ses intérêts. Lekosia, rends-nous capables ce matin, Père, de répondre présent, de répondre favorablement à cet appel. Rends-nous capables, Père, d'intercéder pour le salut des âmes, d'intercéder pour l'affermissement des âmes. Nous te prions, notre Père, nous te prions, notre Dieu. Il est brosia, les kabababa. Nous te supplions, Père, que les mazos rend les justes capables d'intercéder, rend les justes capables de se lever dans la prière afin d'intercéder pour le salut des âmes. Il est kabrosia. Nous te prions, notre Père. Nous te supplions, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous disons amen. Nous allons élever la voix, toujours sur la base de Colossiens 4, verset 12. Le texte nous dit: Épaphras, qui ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Nous allons donc élever la voix pour que le Père nous permette de réaliser qu'il rende les justes conscients qu'ils ne doivent pas cesser de prier pour le salut des âmes, qu'ils ne doivent pas se fatiguer de prier pour l'affermissement des âmes, qu'ils puissent être comme Épaphras qui ne cessait de combattre dans ses prières. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix afin que les justes soient capables de persévérer, qu'ils soient capables de ne pas cesser de prier, qu'ils soient capables de continuer à prier chaque jour afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes soient affermies. Élève ta voix, mon frère, ma sœur, et prie ce matin afin que les justes reçoivent la capacité de persévérer, la capacité de ne pas cesser dans la prière. Marée brosica, Brosia. Père, tu as dit dans ta parole qu'Épaphras ne cessait de prier. Il ne cessait de combattre dans les prières, malgré la fatigue, malgré les activités, malgré le chômage, malgré la maladie. Il ne cessait. Et nous prions ce matin au nom de Jésus, afin que tu nous donnes de réaliser que ta volonté est que nous puissions persévérer dans les prières, que nous ne puissions pas prier une fois et nous arrêter. Que nous ne puissions pas prier un mois et nous arrêter. Que nous ne puissions pas prier une année et nous fatiguer. Mais que nous puissions persévérer. Que nous ne puissions pas cesser de prier pour les âmes. Que nous ne puissions pas cesser de prier pour les nouveaux convertis. Que nous ne puissions pas cesser de prier pour les frères et sœurs. Nous te prions, Père. Nous te supplions, notre Dieu. Donne-nous de ne point cesser. Donne-nous de persévérer. Telle est notre prière ce matin. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Les cablosés, il a massé la boséa. Que tu puisses compter sur nous de manière permanente. Que nous puissions prier, persévérer dans la prière pour les âmes, pour le salut et l'affermissement des âmes. Nous te prions ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père, et nous disons amen. Colossiens 4, 12, la Bible dit: Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu.
Epaphras priait afin que les chrétiens puissent être parfaits et pleinement persuadés, qu'ils ne puissent pas douter dans leur cœur, qu'ils puissent rester persuadés de la parole de Dieu, qu'ils puissent rester persuadés des vérités bibliques qu'ils avaient apprises. Et nous allons donc prier ce matin pour les justes, afin qu'ils puissent demeurer parfaits et pleinement persuadés malgré la crise, qu'ils ne puissent pas remettre en cause les fondements de la parole, qu'ils ne puissent pas remettre en cause la réalité de Dieu, mais qu'ils puissent demeurer parfaits et pleinement persuadés de tout ce que Dieu leur avait annoncé, que tout ce que Dieu leur avait enseigné. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix, mon frère, ma sœur, et prie pour les justes dans le monde, en particulier pour les nouveaux convertis, afin qu'ils demeurent parfaits et pleinement persuadés dans les vérités de l'Évangile. Chare Mabrosia, nous te prions ce matin pour nos frères et sœurs, et nous voulons en particulier prier pour les nouveaux convertis, afin que malgré la crise, afin que malgré les ténèbres, ils puissent demeurer parfaits et pleinement persuadés, qu'ils ne puissent pas douter de la parole, qu'ils ne puissent pas douter de toi, mais qu'ils demeurent parfaitement sûrs, qu'ils soient certains de la réalité de la parole, qu'ils demeurent enracinés dans ta parole, malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les pensées que l'ennemi essaie d'envoyer. Nous te supplions, Père, qu'ils demeurent pleinement persuadés, qu'ils demeurent pleinement persuadés que Dieu existe, que Dieu est puissant, que Dieu les connaît, que Dieu les aime. Nous te prions, Père, afin qu'ils demeurent pleinement persuadés des vérités fondamentales de l'Évangile, qu'ils ne rétrogradent point, qu'ils ne doutent pas. Mais nous prions, Père, pour tous les justes, afin que tu nous rendes capables de demeurer pleinement persuadés, de demeurer inébranlables dans ta parole, que notre foi ne se vacille pas. Nous te prions ce matin, nous te prions pour nous-mêmes, nous te prions pour nos frères et sœurs, afin que nous puissions demeurer pleinement persuadés, pleinement établis dans ta parole. Les bras, que la maladie, que la pauvreté, qu'un licenciement, qu'une perte de revenus ne viennent pas remettre en cause la réalité de ta parole. Nous te supplions, Père, que les justes dans le monde, et en particulier les nouveaux convertis, que nous puissions demeurer pleinement persuadés dans la parole de Dieu. Nous te prions, notre Père, nous te prions, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les cabros et nabarea, rends-nous capables, rends les justes capables, Père, de tenir ferme, de demeurer inébranlable dans ta parole, malgré les ténèbres, malgré la crise. Rends-nous capables, nous te supplions. Nous demandons la capacité qui vient de toi et de toi seul. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous disons amen. Toujours dans Colossiens 4, le verset 12, le verset nous dit que Epaphras priait afin que les justes demeurent parfaits et pleinement persuadés, qu'ils puissent persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Nous allons prier ce matin afin que les justes puissent être conscients que la volonté de Dieu pour les âmes, c'est qu'ils puissent persister soumis à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour les nouveaux convertis, la volonté de Dieu pour les âmes, c'est qu'elles puissent demeurer soumises à la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, il y a plusieurs justes en ce moment qui sont tentés de se détourner de la volonté de Dieu à cause des ténèbres. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un travail, ils sont tentés de faire une activité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. À cause de la pauvreté, à cause du manque, certaines sœurs sont tentées d'accepter d'être avec des hommes, simplement pour avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Plusieurs frères et sœurs, plusieurs justes sont tentés
de quitter la volonté de Dieu, de ne plus obéir aux commandements à cause de la crise. Et nous voulons ce matin prier comme Épaphras, afin que les justes soient capables de persister soumis à la volonté de Dieu. Que malgré la tentation, malgré la difficulté, malgré le manque, malgré la pauvreté, malgré toutes ces choses, que les justes puissent continuer à obéir à la volonté de Dieu. Et nous allons donc élever la voix, mon frère, ma sœur, et nous allons prier pour les justes, afin que Dieu nous aide à demeurer ferme dans l'obéissance, dans la soumission à sa volonté. Est-ce que tu peux élever ta voix, mon frère, ma sœur? Prie pour les frères et sœurs, prie pour les justes, prie pour les nouveaux convertis, afin que nous puissions demeurer fermes, que nous puissions demeurer soumis à la volonté de Dieu, que malgré les tempêtes, malgré les difficultés, que toutes les tentations du diable ne puissent pas trouver d'écho dans nos cœurs, que nous soyons rendus capables par la prière, par la foi, de dire non à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, de refuser des emplois qui ne te glorifient pas, de refuser des relations qui ne sont pas dans ta volonté. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, pour tous les justes dans le monde, rends-nous capables de demeurer soumis à ta volonté, rends-nous capables d'obéir à ta volonté, malgré les difficultés par lesquelles nous passons, malgré les difficultés par lesquelles nous passons, nous te supplions, Père, au nom puissant de Jésus, rends les justes capables de demeurer soumis à ta volonté, de demeurer soumis à ta parole. La cabrose, rema bazo, riabo chama. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, et prie pour les justes. Prie afin que les justes puissent demeurer soumis à la volonté de Dieu, qu'ils ne cèdent pas à la tentation du diable, mais qu'ils reçoivent la capacité, comme Jésus a reçu la capacité dans le désert de refuser toutes les tentations du diable, que nous aussi nous recevions la capacité de demeurer soumis à la volonté de Dieu, de rejeter des pots de vin, de rejeter la corruption, de rejeter des propositions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous te prions, Père, nous te prions pour les chefs d'entreprise, afin qu'ils demeurent soumis à ta volonté, qu'ils ne puissent pas entrer dans la fraude, mais qu'ils demeurent soumis à ta volonté. Nous te prions pour les conjoints, afin qu'ils demeurent soumis à ta volonté. Nous te prions pour les parents, nous te prions pour les frères et sœurs, nous te prions, Père, pour les dirigeants des nations, pour les dirigeants d'entreprise. Aide-nous, Père, aide les justes à demeurer soumis à ta volonté. Nous prions ce matin comme Épaphras. Nous prions pour nos frères et sœurs, afin que tu nous affermisses, pour que nous puissions demeurer soumis à ta volonté en ce temps de crise. Nous te prions, Père, nous te supplions, notre Dieu. La cabrose amale, ishale ma brosia. Prie, mon frère, ma sœur, mare brosia. Chere baba brosé. Prie afin que le Seigneur te rende capable de demeurer soumis à la volonté de Dieu. Prie afin que le Seigneur rende capable ton frère et ta sœur de demeurer soumis à la volonté de Dieu. Prie pour les dirigeants des nations. Prie pour les justes qui dirigent les entreprises. Prie pour les justes qui sont à des positions stratégiques et qui sont tentés en cette saison. Que le Seigneur les rende capables de demeurer soumis à sa volonté. Merci, Père, de ce que c'est toi qui nous rends capables par ton esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Matthieu 6, les versets 33 à 34, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Nous allons prier le Père afin qu'il nous rende conscients que lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, lorsque nous nous investissons dans la prière pour les âmes, lorsque nous prenons de notre temps afin d'intercéder pour le salut des âmes, lorsque nous consacrons de notre énergie, de notre voix afin de prier pour l'affermissement des âmes, Dieu également s'investira dans nos vies. Dieu veillera à ce que nos lendemains soient assurés. Il prendra soin de tous nos besoins. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix afin que le Père nous rende conscient que ce n'est pas en vain que ce matin que nous avons prié. Il est le Dieu qui rémunère. Il est le Dieu qui a entendu tes prières et il est fidèle également pour agir dans ta vie. Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ? Nous te prions ce matin, Père, au nom de Jésus, afin que tu donnes aux justes de réaliser que chaque fois qu'ils investissent dans le royaume, toi également tu t'investiras dans leur vie. Chaque fois qu'ils cherchent premièrement tes intérêts, premièrement ton royaume et ta justice, toi également tu prendras soin de leur lendemain. Tu prendras soin de nos lendemains, Père, parce que tu es fidèle. Tu n'es pas un Dieu injuste pour oublier le temps, pour oublier les prières que nous avons adressées en faveur des âmes en ce temps de crise. Père, merci de ce que tu es le Dieu qui nous rémunérera. Merci de ce que tu es le Dieu qui prendra soin de nos lendemains. Merci de ce que tu es le Dieu qui pourvoira à nos besoins. Tu pourvoiras à tous nos besoins parce que nous nous sommes occupés de tes besoins. Tu prendras soin de nous parce que nous avons pris soin de nos frères et de nos sœurs dans la prière. Nous sommes reconnaissants, Père, parce que tu es fidèle et tu le feras dans nos vies. C'est avec reconnaissance et gratitude que nous t'avons ainsi prié ce matin et nous disons Amen. Nous allons ce matin recommander notre journée entre les mains de Dieu. Le psalmiste David pouvait dire « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et nous allons ce matin déclarer le bonheur. Nous allons ce matin déclarer la grâce de Dieu sur cette journée. Nous allons déclarer que le bonheur et la grâce nous accompagnent, nous, nos familles. Que le bonheur et la grâce accompagnent notre entreprise, accompagnent notre emploi, accompagnent nos projets dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, mon frère, ma sœur, et déclare la grâce de Dieu. Déclare la faveur de Dieu sur ta journée au nom de Jésus-Christ. Charé Brazo, nous voulons ce matin déclarer le bonheur et la grâce. Nous voulons déclarer la faveur de Dieu sur cette journée. Nous déclarons la faveur de Dieu sur cette semaine. Nous déclarons que nos vies sont bénies, que la grâce de Dieu nous accompagne, que ta grâce nous précède partout où nous irons. Nous déclarons que ta grâce repose sur nos projets, ta grâce repose sur nos entreprises, ta grâce repose sur notre travail, ta grâce repose sur nos enfants, elle repose sur nos conjoints, elle repose sur nos frères et sœurs, elle repose sur nos parents. Nous déclarons que ta grâce impacte notre maison, impacte nos voitures, impacte nos biens. Au nom de Jésus, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bonheur et la grâce nous précéderont tout au long de cette journée. Nous sommes bénis, nous sommes couverts de la grâce, nous sommes couverts de la bonté de Dieu. Nous le déclarons ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes remplis, environnés de la grâce de Dieu, environné de la bonté de Dieu. Nous le déclarons cette journée. Nous le confessons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui nous arrivera s'écrira bonheur. Tout ce qui nous arrivera s'écrira grâce. Au nom de Jésus, ta grâce précède nos pas. Ta grâce précède nos entreprises. Ta grâce précède notre famille. L'Eco Maria. Nous le déclarons au nom de Jésus. Rien de négatif ne nous arrivera parce que ta grâce
Notre nous protège. Nous ne vivrons aucun accident. Aucun incident. Parce que ta grâce nous gardera. Nous le déclarons, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Nous l'avons ainsi déclaré. Et nous croyons, Père, que c'est ce qui se manifestera en cette journée. C'est pourquoi nous voulons d'avance prendre le temps de te rendre les actions de grâce. Nous voulons d'avance prendre le temps de te dire merci de ce que tu as entendu nos sujets de prière ce matin, de ce que tu as été attentif à nos prières. Tu as entendu lorsque nous avons intercédé pour les âmes et tu as entendu lorsque nous avons recommandé nos vies ainsi que cette journée à ta grâce. Nous n'attendons pas de voir pour te dire merci, mais nous voulons d'avance te rendre grâce. Nous voulons d'avance te bénir. Nous voulons d'avance te célébrer. Nous voulons d'avance t'acclamer. Car tu es le Dieu qui nous a exaucés ce matin. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi les acclamations des justes ce matin. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Avec reconnaissance, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre temps de prière. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée dans sa présence. Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Esprit nous te bénissons, Dieu. Nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Nous aimons ta présence. Esprit de Dieu. Nous te célébrons. Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel. Esprit de Dieu, tu es venu habiter Esprit en nous. De Dieu, nous honorons ta présence. Esprit de Dieu, magnifique Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence. Esprit de Dieu, nous honorons ta présence. Esprit de Dieu, nous aimons ta présence. Esprit de Dieu, nous adorons ta majesté.